Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour notre classe, c'est le jour de Star Wars. En anglais, on dit le Star Wars Day, parce qu'on est May the 4th, et ça commence comme May the 4th be with you. Là, que la force soit avec vous. Donc, c'est aujourd'hui, le 4 mai, Star Wars Day. On va aller se promener partout en France pour voir les différents paysages de notre pays. On va commencer par la plage du Nord en allant à côté de Dunkerque à Malo les bains. Épisode 29. Cher CP, cher Padawan, comme Tata nous l'avait promis, nous sommes partis vers l'île à la nuit tombée. J'avais pris dans mon sac mes provisions et ma lampe de poche pour envoyer des signaux si je me perdais. On est monté dans une barque et Tata a empoigné les rames. Il faisait très sombre, on ne pouvait pas savoir où finissait l'eau et où commençait le ciel. De temps en temps, on entendait un rat plonger dans la rivière ou une chouette qui appelait. Voilà une nuit digne de Robinson Crusoé, a dit Tata. On a débarqué sur la plage du monstre poilu et j'ai allumé ma lampe. Elle a fait un rond de lumière rassurant, puis elle s'est mise à clignoter. Et elle s'est éteinte. J'ai grogné. Oh, zut, la pile est morte. Tata a proposé d'allumer un feu pour éloigner les fauves. Je sais très bien que c'est une île où viennent les pêcheurs à la ligne, pas les lions. Mais Rafara était un peu inquiète et elle s'est dépêchée de ramasser du bois. J'ai de la guimauve à faire griller, a dit Tata. On s'est mis en rond autour du feu et j'ai sorti mes chips. On dirait trois petits lutins en train de grignoter leur festin, a remarqué Tata. Chut! Vous avez entendu? Rafara a sursauté. Qui? Quoi? Les tam-tams des sauvages. C'était seulement le vent qui faisait se cogner les branches des arbres. J'ai grondé ma tante. Arrête de faire peur à Rafara. C'est une île déserte. Tu as raison, a répondu Tata Sarah. N'aie pas peur, Rafara. À part le monstre, il n'y a personne. Elle a sorti sa carte et nous a montré où se trouvait le trésor. Il est là, dans le bois du hibou borgne, caché dans un arbre creux. On a décidé de se séparer. Rafara et moi, on a pris le chemin de gauche et Tata le chemin de droite. Et que le meilleur gagne, signé Milo. À la fin de la lettre, Rafara et Milo partent à gauche et Tata prend le chemin de droite. À ton avis, qui va découvrir le trésor et comment? Dans le problème 1, on connaît le début, Paul a 35 euros, et on cherche la fin. La fin, on sait que Charlotte a 10 euros de moins que 35. On peut trouver l'opération, on peut aussi regarder le dessin et 10 euros, c'est un billet. On enlève un billet, combien ça fait? Dans le problème numéro 2, on a un point de départ, on peut dire que ce sont les trois bananes, et puis on ajoute les pommes, les poires, les oranges, et on arrive à quelque chose.
et on est dans le cas du problème où il y en a plus à la fin qu'au début. Dans le problème numéro 3, on est dans le cas de figure où on en a moins à la fin qu'au début. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Noé qui a au début 46 000, il en donne. Il en donne combien? Deux dizaines. Réfléchissez à combien ça fait deux dizaines et comment on fait pour trouver. Dans le problème numéro 4, on est dans le cas où il y en a plus à la fin qu'au début. Donc on a Timéo qui a 6 images, sa sœur elle en a le double. Elle a deux fois plus que Timéo. Et on ajoute